Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Nautique 2022 de Paris. Je suis avec Fanny sur le stand 12. Salut Fanny. Salut. Je suis très content de mettre la pirogue en avant. Et pourquoi venir au Salon Nautique ? Pour faire connaître aux gens, découvrir la discipline, parce que sur notre marché domestique, on se rend compte que la pirogue est encore trop peu connue, malgré qu'on soit le sport cousin du stand-up paddle. Exactement. Et c'est quelque chose qui peut nous emmener beaucoup plus de visibilité en 10 jours que si on faisait des tournées toute l'année. Pour rappel, vous êtes situé à Anglet, au Pays Basque. Au Pays Basque. On voit quand même de plus en plus des compétitions, style le Corsica Paddle Trophée, par exemple, où on mélange la pirogue et le stand-up. C'est important aussi pour vous de faire partie de cette grande communauté des sports de pagaie. Bien sûr, surtout qu'on est un support qui est vraiment complémentaire avec le stand-up paddle. Beaucoup l'utilisent en cross-training, donc c'est bien aussi qu'on ait ce genre d'invitation dans ce genre de format de compétition. Et la grosse particularité aussi chez vous, c'est que c'est vous qui fabriquez vous-même vos propres pirogues. Exactement. On design, on fabrique et on vend nos propres pirogues. Et est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont apparues là en 2022 ou est-ce que tu as des nouveautés à nous dire pour 2023 au niveau des pirogues ? Moi, je suis toujours sur la Féline. Je reste encore sur la Féline que j'avais pu tester et qui était une pirogue et qui est toujours une pirogue incroyable. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées ces derniers temps ? Ouais, on a beaucoup travaillé au haut de gamme, c'est-à-dire avec la Sniper qu'on a sortie l'année dernière en février, qui est un compromis entre la Pueo qu'on fabriquait sous licence pour Kamanu et la Féline qui est aujourd'hui notre pirogue intermédiaire fun. Il nous fallait dans notre gamme une pirogue plus compétition et polyvalente que la Féline et donc on a beaucoup travaillé à ce nouveau modèle, un an et demi de gestation, gros bébé, gros bébé avec pas mal d'innovations, première pirogue équipée d'un calepi réglable, une étrave droite pour une remontée au vent facilitée et surtout une nouvelle position de rame qui se rapproche plus de celle du VA où on a les pieds plus bas que le siège, ce qui nous permet de soulager le bas du dos et d'engager toute la ceinture abdominale et transmettre plus de puissance dans la pagaie. Ok, elle est déjà disponible. Elle est derrière toi. Ah, c'est celle qui est derrière moi. Ouais. Ok, ok. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, les années Covid, l'augmentation du prix des matières premières, etc. Bon, vous, par rapport au transport, ça change quand même le fait de fabriquer au Pays Basque. Mais est-ce que vous avez été aussi impacté par rapport à toute cette révolution et cette crise qu'il y a eu par rapport aux matières premières ? Ah, carrément. Carrément, on fait preuve d'une résilience quotidienne pour chaque crise amène une nouvelle stratégie. Et tu disais le transport, c'est quelque chose, effectivement, c'est plus difficile d'importer, donc ça peut nous aider sur notre marché domestique, mais il faut savoir que nous, on vendait 40% de nos bateaux à l'export, sur des marchés beaucoup plus matures comme le Canada, les États-Unis, et on a été coupé de ces marchés-là aussi. On a dû se recentrer sur notre marché domestique qui n'était pas du tout mature et qu'il fallait commencer from scratch. C'est pour ça qu'on a aussi travaillé la K1, destination des clubs et des bases nautiques, pour créer des nouvelles vocations sur notre marché domestique et le développer en attendant de pouvoir réaccéder à ces marchés à l'export. Okay. Donc on a vraiment retravaillé notre stratégie, effectivement. Ok. Et alors, 2023 est où ? C'est quoi les next steps ? Mais on pense à beaucoup de choses, on a énormément de projets dans les cartons. Le but, c'est justement de se canaliser, d'y aller petit à petit, puisque la sortie de Covid a été compliquée. Hein. Ouais. Il faut qu'on relance. Il y a eu 2 ans de manque de visibilité, donc on a 2 ans de retard sur nos prévisions. Donc on est prudent, on fait les choses prudemment, mais ce n'est pas les idées qui manquent. Ouais. Ok, super, super. Bon, merci beaucoup Fanny pour ces quelques moments consacrés à la communauté du stand-up paddle avec Subpassion, mais aussi Foil Magazine. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du Salon Nautique 2022, aussi le live improvisé de la course du week-end dernier. Et si vous voulez plus d'informations sur vous, n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux, mais également sur le site internet. Et on se dit à très bientôt et nous, on se verra peut-être, c'est encore loin, mais on se verra peut-être encore ce mois d'octobre 2023. Certainement, oui. Avec grand plaisir. Ouais. Allez, à très vite. Ciao, salut. Ciao.